Et toujours en direct des coulisses de la Star Academy avec un panneau vivant. Vous voyez, c'est vachement pratique d'avoir un standardiste derrière les panneaux. Merci beaucoup. JM du Standard, t'es content d'être là? Je suis ravi. Merci beaucoup. Et je suis avec Sidoine aussi, surtout. Ça va, Sidoine? Bonjour, bonjour. Bah oui, ça va bien. J'ai moins l'impression que nos deux finalistes, je pense. Donc... Ouais. Tu supportes Lorraine, je te pose pas la question, vu que tu as été tu as géré la campagne de Lorraine. Évidemment, Lorraine, c'est ma petite chouchoute, mais c'est vrai qu'on a deux très très belles finalistes. Tu penses que qui va gagner, très franchement, en dehors des affinités, tout ça? Franchement, j'en ai aucune idée. C'est vrai? Ah, franchement, non. Parce que ça, visiblement, sur les estimations, ça va, ça vient. Donc, On peut pas vraiment savoir. J'ai regardé un peu les quotidiennes, tout ça. J'ai vu que tu te démenais, que tu l'emmenais, que tu essayais de tweeter. J'ai tout donné. J'ai appris Twitter pour Lorraine. C'est vrai? Je ne cesse de le répéter. Donc, comment on te retrouve sur Twitter? Tiens, rajoutez-le parce qu'on va mettre les vidéos aussi sur Twitter. Il y a mon numéro de téléphone aussi. Twitter, non, tu veux, vas-y. Ton numéro, si tu veux. Je te présente Charline qui est la stagiaire de cette émission. Bonjour Charline. Et qui aimerait beaucoup ton numéro de téléphone. Voilà. Donc, c'est les 07 22 36 24 12. Voilà. Ça, c'est donc, ce numéro, forcément, va énormément galérer dans les jours qui viennent. Une personne déteste Sidoine dans les 5 minutes. Exactement. Et toi, tu vas. Alors, après la Starac, tu vas revoir un peu les gens. Certaines personnes qui. Déjà, il y a Romain que je vois beaucoup. Ouais. Malheureusement, là, il me colle un peu au basque. Alors, Romain, on l'a eu avant, il nous a cassé les couilles. Hein. Voilà, vous lui direz. Hey, non, il est sympa. Franchement, t'as bien rigolé avec lui. Il est génial, je kiffe. Il mettait un peu l'ambiance dans le château aussi, c'est pas mal quoi. Ouais. Et ça t'a plu d'y retourner c'était hier, c'est ça? Non, mardi soir. C'était mardi, ouais, super kiffant. On a tous des souvenirs en commun. Et puis cette aventure, c'est notre petit bébé à tous. Et si vous l'avez pas vu, ils ont revu une vidéo en fait de l'arrivée dans le château, le tout début, tout ça. Donc. C'est un petit peu séquence émotion à la fin. C'est ça. Bon courage, c'est quoi tes projets, toi? Plus projet X, truc comme ça. Voilà, très bien. Donc avec Charline, justement, notre... notre... château. Qui va se passer. Donc voilà, il se passe tout ici à la Starac, quoi. Un album, tu prévois de sortir un album? J'aimerais bien. Ça va se négocier à la sortie, c'est ça? Exactement. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Pour la suite. On verra bien qui gagne. Et puis Sidoine qui est avec nous dans les merci coulisses. Merci beaucoup. Voter, hein, Lorraine et Mille. Voilà. Ce sera le mot de la fin. À tout à l'heure, merci. Salut à toutes. Allez, rendez-vous en direct pour le Prime et en direct toujours toutes les vidéos des coulisses sur le Facebook d'Energie 12 et de la Starac. À tout à l'heure, tout le monde. Retrouve Guillaume sur Facebook et tape Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et sur Twitter, tape Guillaume Play. PLEY. Alors tu peux cliquer ici pour retrouver ma page YouTube et t'abonner à mes vidéos et venir sur mon site guillaume.fm. Bah oui. C'est qui le papa ?